Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Castillo, soy periodista, le doy la bienvenida a esta nueva actividad de Puerto de Ideas, Valparaíso, con el tema Civilizaciones Reimaginadas, el camino de la ficción para contar la historia, en la que conversaré con el escritor francés Laurent Binet, ganador del premio de la Academia Francesa, sobre los desafíos y oportunidades de trabajar con la realidad histórica para transformarla con rigor e imaginación en una creación literaria. Este año Puerto de Ideas Valparaíso celebra su 10º aniversario gracias al apoyo de Colbún, Copeus, Fundación Mar Adentro y el Ministerio de las Culturas. Antes de comenzar la conversación, quisiera presentar los dos libros, primeramente en versión española, se llama Civilizaciones, que acaba de ser publicado en Sex Barral, y el libro en versión original, que se llama simplemente Civilización, está escrito en francés, por mi amigo, escritor y novelista Laurent Binet. Muchas gracias. Bonjour Laurent Binet. Bonjour. Merci de répondre à mes questions et surtout merci de discuter simplement parce que au-delà d'une question-réponse, ça va être une conversation entre nous deux. Une première question tout à fait simple concernant votre roman qui vous venez de publier en espagnol. C'est a été publié en France l'année dernière. Et Civilizaciones. Et je voulais simplement savoir comment est-ce que l'idée est venue au départ et qu'est-ce qui a enclenché justement l'écriture de ce roman, parce qu'il faut bien rappeler, c'est un roman. L'histoire joue un rôle important, mais c'est avant tout un roman. Oui, eh bien, l'idée m'est venue tout à fait par hasard, puisque en 2015, j'ai été invité au Festival du Livre de Lima au Pérou. Mmh. Et que donc, pour me documenter un peu, je me suis intéressé à des sujets auxquels j'ignorais à peu près tout, les civilisations précolombiennes, plus particulièrement les Incas, et puis l'histoire de la conquête du Pérou par Pizarro. Et aussi bien cette conquête espagnole que cette civilisation précolombienne m'ont absolument subjugué et fasciné. Et donc à mon retour de Lima, j'ai continué à m'intéresser à ces sujets jusqu'à lire le chapitre d'un livre de Jared Diamond qui s'appelle Guns, Germs and Steel, dans lequel il... poser la question de savoir pourquoi c'était Pizarro qui était venu capturer Atahualpa au Pérou et non pas Atahualpa qui était venu capturer Charles Quint en Europe. Et donc je me suis dit, bah oui, tiens, pourquoi pas, moi je vais raconter ça. Littérairement, j'imagine que c'est quelque chose d'assez excitant de répondre à cette question qu'on se pose tous parfois, et si? Oui, exactement. C'est ce que en France on appelle l'uchronie, les anglo-saxons appellent l'histoire alternative ou encore l'histoire contrefactuelle. Et c'est vrai que mon premier roman, Hachachachach, se posait la question de savoir comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie et s'attacher vraiment à restituer au plus près la véracité historique d'un épisode de la Deuxième Guerre mondiale, avec donc cette ambition de véracité, mais aussi cette frustration, parce que ce qui est terrible avec l'histoire, c'est que ce qui est passé, et qu'on ne peut rien y changer. Mais la littérature permet d'imaginer des alternatives, des hypothèses, et... Donc c'est un exercice intellectuel, je trouve, absolument fascinant, de cet exercice du what if, du SI, et de se demander à quelles conditions ce qui a été aurait pu ne pas être, ou ce qui n'a pas été aurait pu être. Et donc, je me suis plongé dans cette hypothèse, donc comment, à quelles conditions les Incas, les Indiens d'Amérique, auraient pu résister à la conquête espagnole et à quelles conditions l'histoire aurait pu se renverser. Donc, lorsque on fait de l'histoire, on essaye de dire la vérité historique. Lorsqu'on écrit un roman,
on essaye de mentir vrai. C'est ça les problèmes de la littérature. Oui, oui, bon, c'est l'expression d'Aragon, le mentir vrai, qui a été beaucoup galvaudé et qui a servi de prétexte à beaucoup de manipulations d'une certaine manière. Beaucoup de petites tromperies. Enfin, il ne s'agit pas, disons, on n'est pas quitte vis-à-vis de l'histoire simplement parce qu'on met fiction sur son livre ou sur son roman. Moi, dans tous les cas, aussi bien pour HHHH que pour Civilisation ou même la 7e fonction du langage, que je colle au plus près de la réalité historique ou que je la change, de toute façon, pour moi, il est très important d'avoir l'impression de respecter l'histoire. Et respecter l'histoire, qu'on la change ou qu'on ne la change pas, c'est d'abord bien la connaître, et ensuite c'est être très clair au niveau du pacte de lecture. C'est-à-dire que moi, quand je change l'histoire, je le signale. À partir du moment où une fiction s'exhibe comme fiction, je pense que il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai conçu mon livre Civilisation avec l'idée que aucun de mes lecteurs ne prendrait pour argent comptant mon hypothèse qui est que donc, les Incas envahissent l'Europe. Au contraire, pour goûter au mieux mon livre, il est important de savoir que dans la réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, dans ces cas-là, on peut lire mon livre comme ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un miroir de la réalité historique, mais pas la vérité, si vous voulez. Donc oui, mentir vrai, si vous voulez. En tout cas, mon livre n'a pas été conçu comme un mensonge vrai ou pas vrai, mais comme une hypothèse et comme un jeu, comme un jeu de stratégie dont les règles, dont la situation de départ aurait été la suivante. Comment est-ce qu'on fait quand on débarque sur un territoire, sur un continent, sur un monde inconnu, qu'on est 200 et qu'on a un empire à conquérir? Et j'aime bien présenter les choses de cette façon parce que, dit comme ça, ça semble absolument impossible. Et pourtant, il y a au moins deux personnes qui ont exactement réalisé ce qui est une forme d'exploit, ce qui est un exploit, Cortés et Pizarro. Ouais. Cortés et Pizarro, mais justement, c'est la question qu'on se pose dans les livres. Comment est-ce qu'avec 200 personnes, on peut arriver à conquérir tout un continent? Alors, ce que disent les historiens, c'est que les Espagnols avaient bénéficié de trois avantages décisifs, qui étaient le fer, le cheval et les microbes. La première question que je me suis posée pour raconter mon histoire et la rendre crédible, vraisemblable, parce que c'était aussi un des enjeux de mon livre, c'est-à-dire savoir si c'était possible. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne savais pas si c'était possible. Donc, je me suis dit, bon, voilà, on remet les compteurs à zéro, on comble ce handicap, mais comment ? Et donc, c'est pour ça que, dans mon livre, l'introduction, le prologue de Civilisation, remonte au temps des Vikings, où j'imagine que les Vikings qui, ça c'est un fait historique avéré maintenant, les Vikings qui avaient fait une brève incursion en Amérique du Nord, au Canada, j'imagine qu'une poignée d'entre eux, au lieu de faire cet aller-retour dont on pense qu'il s'est effectué sur un an ou deux, une poignée d'entre eux, de ces Vikings, serait non pas retourné au Groenland, mais aurait mis cap au sud et aurait essaimé le long de la côte, donc Amérique du Nord, puis Amérique du Sud, puis se serait enfoncé dans les terres et aurait diffusé le fer, le cheval et les microbes, permettant aux Indiens d'avoir 500 ans pour développer leurs anticorps. Voilà, donc c'était ça l'idée de départ. Mais d'ailleurs, je pense que pas mal des gens peut-être qui vont lire le roman maintenant, ils vont penser à tout ce qui arrive aujourd'hui, aux pandémies, à l'épidémie, et on voit déjà que c'était l'unification microbienne du monde. Donc, 1492, ça a été la première grande mondialisation, c'est ce que vous montrez aussi un peu là. Ouais, alors on me pose souvent cette question, est-ce que vous voyez des points communs avec la situation actuelle? De toute façon, il y en a toujours. À partir du moment où l'auteur écrit d'un endroit, moi, je suis un produit du 20e, du 21e siècle. Forcément, de toute façon,
Si vous cherchez des résonances dans mon livre avec la situation actuelle, vous en trouverez. Alors, j'avoue que j'avais pas anticipé l'épidémie de coronavirus, mais en tout cas, il doit y avoir deux points communs, au moins deux points communs entre cette période du 15e siècle finissant du 16e siècle et la période actuelle, pour moi, ce serait en effet la mondialisation, c'est-à-dire que 1492 ouvre une époque, en effet, de une première mondialisation. Précisément, cette mondialisation correspond à un système très précis qui est le capitalisme, en fait. Et ça, je n'avais pas du tout anticipé non plus consciemment, en tout cas, je n'avais pas fait le lien entre cette époque et la nôtre. Cette époque-là marque l'essor du capitalisme, la naissance du capitalisme, et bon, enfin, disons, en gros, en Italie, au 15e siècle, et puis ensuite, avec la montée des banquiers allemands et hollandais. Donc, essor de la mondialisation capitaliste. Et puis, donc, l'écho avec aujourd'hui, c'est que peut-être, on peut supposer, il faut être prudent, hein, mais que là, en ce moment, on est en train de vivre la fin, l'époque terminale de cette période capitaliste. Puisque, enfin, c'est-à-dire si le capitalisme survit, la planète n'y survivra pas, elle. D'une façon ou d'une autre, cette période de la domination du système capitaliste devrait trouver un terme sous peu. Mais il ne faut pas se tromper, le roman, ce n'est pas un essai économique, c'est avant tout des aventures, c'est aussi un rythme. C'est aussi une manière de raconter, et pour vous, je pense que aussi le pari était justement celui-là, de garder toujours le lecteur éveillé. Oui, j'ai conçu ce livre comme un jeu de stratégie et aussi comme un jeu d'aventure. Il y a beaucoup de registres qui se télescopent dans mon livre, mais peut-être le registre dominant, c'est le picaresque, en fait. C'est-à-dire que Atahualpa débarquant en Europe n'est pas Alexandre le Grand ou Jules César à la tête de ses armées, mais un fuyard qui a fui la guerre civile dans son pays pour fuir son demi-frère Huascar. Il fuit une guerre civile et il arrive dans un continent où il y a aussi des guerres civiles. Voilà, alors, donc ça c'était le jeu de stratégie proprement dit. Comment est-ce qu'on fait à 200 pour conquérir un empire? Et donc mon manuel, en fait, était toujours les recensions des épopées de Cortés et Pizarro. Comment est-ce que Cortés et Pizarro ont fait? Cortés, il s'est allié avec les populations dominées sous la domination des Aztèques. Donc il a bien compris que l'ennemi de mon ennemi était mon ami. Exactement, exactement. Ouais. Et donc, est-ce que cette transposition-là de cette stratégie était possible dans l'Europe du XVIe siècle? Oui, parce que Charles Quint ne manquait pas d'ennemis. À l'extérieur, il était donc tout perpétuellement en guerre avec François Ier. Et donc, c'était logique que les Incas s'allient avec François Ier, mais même à l'intérieur de l'Empire, l'Empire de Charles Quint était, tout comme l'Empire Inca à l'époque, extrêmement divisé, fracturé, et d'une certaine manière, dans une forme d'état de guerre civile, puisque on avait aussi l'essor du protestantisme. Donc, concrètement, je me posais la question, avec qui Atahualpa pourrait-il s'allier? Et donc Atahualpa pourrait trouver des alliés chez les Juifs, les conversos, ou les faux convertis, et les Morisques, les musulmans d'Espagne. À l'extérieur de l'Espagne, au sein du Saint-Empire germanique, avec les paysans allemands qui s'étaient révoltés quelques années plus tôt, entre 1524 et 1526, il y a ce qu'on appelle la guerre des paysans qui s'est soldée par de grands massacres. Donc voilà, donc je me suis les premiers éléments tactico-géopolitiques, si vous voulez,
était cela. Est-ce que un autre élément dont avait bénéficié Cortés, par exemple, Cortés s'était appuyé sur les croyances de Moctezuma. Bon, Cortés, comme Pizarro, Cortés surtout a eu beaucoup de chance. C'est une guerre des communications aussi, un peu. Aujourd'hui, on dirait ça comme ouais. ça. Comme Serge Voussinski l'a vu dans certains livres. Il a écrit dans certains livres. Oui, absolument. Et alors, bon, il se trouve qu'en plus, ça aussi, c'est un autre point commun entre le XVIe siècle et la Renaissance, disons, et notre période d'aujourd'hui, c'est la révolution des communications, puisque la Renaissance, c'est l'invention de l'imprimerie qui bouleverse tout et qui permet au protestantisme, à la réforme de Luther, aux idées de Luther, de se diffuser avec une rapidité que lui-même n'avait pas anticipée. Et donc, bon, voilà, c'était une première. Nous, on connaît la révolution numérique, eux ont connu la révolution de l'imprimerie. Mais en tout cas, Cortés avait bénéficié de cet avantage psychologique incroyable que les Aztèques l'ont pris pour le serpent à plumes. On crut que c'était leur dieu qui revenait, parce que voilà, l'armure qui brille, les plumes sur son casque. Et de la même façon, donc en fait, toute ma démarche était une démarche de transposition. Est-ce que les stratégies de Cortés et Pizarro pouvaient être transposées en Europe? Et à chaque fois, la réponse était oui, et notamment sur ce point de l'avantage psychologique de la carte du serpent à plumes, si vous voulez jouer par Cortés, elle pouvait aussi être jouée par Atahualpa, puisque Atahualpa était le fils du soleil. Atahualpa arrivait avec sa religion du soleil. Pour les cinquième quartier. Pour donc ce que j'ai appelé le cinquième quartier, qui correspond à l'Europe, à l'époque même où l'Europe est en train de découvrir les thèses de Copernic, et ce qu'on a appelé l'héliocentrisme, l'idée que c'est le Soleil et non pas la Terre qui est au centre de l'univers. Voilà. Donc c'était à la fois un jeu de stratégie, et puis un jeu de stratégie qui était intellectuellement très stimulant, si vous voulez. Oui, c'est un jeu stimulant, mais c'est aussi une écriture. Et la réflexion sur le livre est tout à fait intéressante, parce qu'Atahualpa, lorsqu'il arrive en Europe, d'abord au Portugal, et il est étonné par le livre qui parle. Oui, et c'est aussi la découverte de l'altérité aussi. Alors c'est vrai, les Incas étaient une civilisation très avancée, mais contrairement aux Mayas, ne disposaient pas de l'écriture, si ce n'est cette forme de peut-être de proto-écriture tout à fait qui m'a aussi absolument fasciné, qui étaient les quipus, ces espèces de systèmes de cordelettes, de cordes à nœuds qui servaient à compter et peut-être à transmettre des messages, puisque je crois savoir qu'on n'a pas encore élucidé tous les mystères de ces petites cordelettes. Mais enfin, en tout cas, voilà, il n'y avait pas d'écriture à proprement parler. Et donc c'est vrai que j'ai pas voulu, si vous voulez, j'ai pas voulu entrer dans un système de, comment dire, dans une logique de concurrence qui est, ce sont des civilisations différentes, chacune a leur spécificité. C'était des grandes civilisations à mains égards dans les deux cas, mais je pouvais pas nier que l'Europe disposait de certaines choses que les Incas n'avaient pas, et inversement. Enfin, en tout cas, l'Europe disposait de l'écriture, ou par exemple, dans le domaine artistique et pictural, de la perspective. Les tableaux, je me suis beaucoup amusé aussi à représenter beaucoup de tableaux fictifs, à imaginer des tableaux, à prendre certains tableaux qui ont existé, mais à imaginer aussi des faux tableaux, du Titien, de Véronèse, de Michel-Ange, et notamment de faire du Titien, qui avait été en quelque sorte le peintre officiel de Charles Quint, devenir le peintre officiel d'Atahualpa, et d'imaginer des tableaux d'Atahualpa à la manière du Titien. Donc voilà, évidemment, ce système de renversement fait que, même si mes héros, mes protagonistes sont des Incas, l'histoire est très fortement centrée sur l'Europe et sur cette Europe du XVIe siècle. Donc ce livre était à la fois l'occasion pour moi de me plonger dans des univers qui étaient pour moi totalement inconnus, l'univers des Vikings, des sagas islandaises,
l'univers des Incas et des précolombiens en général, et des Aztèques aussi. Et puis aussi, disons, mon propre univers, qui était cette Europe du XVIe siècle, que je connaissais un peu mieux, mais pas forcément mieux. C'est-à-dire qu'en fait, sur la réforme de Luther, sur les protestants, j'en savais pas tellement plus que sur les Vikings ou que sur les Incas. Donc c'était vraiment un chantier de documentation absolument colossal et parfois un petit peu vertigineux. Vous êtes au départ, on ne l'a pas dit, professeur de lettres, mais vous avez l'impression que votre cœur a toujours été partagé entre l'histoire et la littérature. Donc là, j'ai l'impression que l'écriture, c'est presque une session de rattrapage pour vous. Oui, ben ça, je ne peux pas nier que mes trois livres, en fait, même la septième fonction du langage, accorde à l'histoire une place tout à fait prépondérante. Oui, c'est vrai que j'ai été prof de lettres, mais j'ai aussi une licence d'histoire. J'avais commencé par faire des études d'histoire avant de basculer. Mon père est prof d'histoire, donc j'ai toujours baigné dans... J'ai toujours eu cette attirance et cet amour de l'histoire. Et c'est vrai que faire des romans historiques permet de concilier ces deux intérêts. Mais d'ailleurs, vous parlez de romans historiques, mais il y a quelque chose qui est frappant aussi dans vos livres, un peu moins dans Civilisation. Et vous aimez beaucoup participer et parler, et donner votre point de vue. Oui, alors ça, c'est des partis pris littéraires. C'est vrai que j'aime bien, je l'ai fait beaucoup pour HHHH, un peu moins pour la septième fonction, et Civilisation, le dispositif le permettait moins. Mais c'est vrai que j'aime bien les romans qui sont comme des conversations avec le lecteur. C'est pour ça que j'aime beaucoup Kundera. J'aime beaucoup l'irruption de l'auteur au milieu du roman. J'aime beaucoup mettre en danger ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, l'illusion fictionnelle. J'aime beaucoup cette espèce de coup de pistolet qui sort un peu le lecteur de son immersion, lui rappeler que ce qu'il lit est un roman, mais pour Civilisation, d'une certaine manière, j'avais pas besoin, moi, d'intervenir en mon nom propre, d'apparaître en tant qu'auteur, Laurent Binet, au milieu du récit, puisque l'histoire lui rappelait à chaque instant qu'il était dans un roman et qu'il était immergé dans une fiction, puisque il n'était pas censé oublier que la réalité n'était pas que les Indiens avaient envahi l'Europe, sinon il aurait lu le livre en quechua. Mais d'ailleurs, vous parlez de quechua, mais la question de la traduction, des traductions est importante. Tous vos livres ont été traduits dans beaucoup des langues. Et ouais. On imagine bien, par exemple, parce qu'il a je pense que vous êtes quelqu'un de l'image aussi, les livres très très visuels, le roman. Oui, alors pour ce qui concerne la traduction, c'est vrai que... inconsciemment, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, puisque la phrase de citation en exergue de la septième fonction du langage était une phrase de Derrida sur l'interprète, sur le rôle de l'interprète et l'interprète qui n'oublie jamais ses intérêts, qui, enfin, donc une très belle phrase de Derrida sur les interprètes. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la conquête de l'Amérique, j'imagine pour ce qui est de tout processus de conquête ou même de découverte, la question de l'interprète et de la traduction est toujours absolument fondamentale. Et si on lit les récits de la conquête du Mexique par Cortés, on voit que Cortés n'aurait pas réussi son entreprise s'il n'avait pas eu bénéficié des services de sa traductrice, la Malinche, qui était aussi sa conseillère, en fait. C'est elle qui lui expliquait, enfin, qui lui permettait de comprendre là où mettait les pieds. Il n'y a pas de surbon prêtre en Amérique. Non, c'est bien sûr, c'est un personnage ambigu, puisque c'est, d'une certaine manière, c'est une collabo. Ouais. Mais en même temps, à sa décharge, elle s'était fait quand même offrir comme esclave par les Aztèques à Cortés, elle-même étant, je ne sais plus exactement de quelle origine, mais enfin bon, voilà, en tout cas, les Aztèques ont offert à Cortés une arme fatale finalement, qui a été cette Malinche,
qui a été en plus sa maîtresse et la mère de son premier enfant. Et ce personnage-là de traductrice m'a fasciné au point que il a déteint sur presque toutes presque tous les personnages féminins de mon roman. Ignamora. A commencer par Yena Mota, la princesse Tainos, la princesse cubaine, enfin d'origine haïtienne, enfin bon, en tout cas des Tainos. Même si, alors elle n'est pas une princesse Inca qui trahit, c'est pas exactement le même dispositif, mais en tout cas, l'idée était que, voilà, petite, elle avait rencontré Christophe Colomb qui lui avait enseigné des rudiments d'espagnol. Alors là, on est dans la fiction pure, hein, Yena Mota. C'est la fille de personnages qui sont historiquement attestés, Ana Kaona et son mari, le roi Kaonabo, qui était donc des rois et un roi et une reine Tainos. Son personnage est mentionné, son nom est mentionné, mais on ne sait vraiment rien sur elle. Mais en tout cas, donc, d'une certaine manière, je lui ai fait jouer partiellement le rôle de la Malinche. Il y a un personnage masculin aussi qui ressemble un peu aussi à la main. C'est absolument. Pedro Pizarro, le cousin de Francisco Pizarro, qui avait accompagné et qui a écrit une chronique de la conquête, donc qui était pour moi une source de première main absolument capitale, et je trouvais ça amusant d'imaginer en effet que des Européens se mettent au service des Incas. Mais il y a aussi, donc, toujours dans cette idée d'inspiration de la Malinche, Éléonore, la femme de François Ier, la sœur de Charles Quint, qui va se mettre au service des Aztèques. Donc, je ne pouvais pas utiliser le personnage de la Malinche, puisque ce n'était pas la bonne époque, ce n'était pas la bonne ère géographique. Mais ce personnage-là infuse majoritairement les personnages féminins de mon livre, mais vous avez raison, Pedro Pizarro aussi a quelque chose de la Malinche. Mais vous posez un filigrane aussi, à travers le roman, parce que c'est toujours un roman, la question du métissage aussi, et le métissage surtout culturel, qui arrive très rapidement. Ouais, mais d'une certaine manière, comme c'est arrivé aussi dans la réalité historique, politiquement, les Espagnols ont compris que... chez les Incas, chez les Aztèques aussi, je crois, mais enfin en tout cas, chez les Incas, ils ont fait des mariages de princesses Incas avec des nobles espagnols, des grands d'Espagne, accélérer leur emprise sur l'Empire Inca et pour s'octroyer une forme de légitimité, récupérer la légitimité de l'aristocratie Inca. Et donc, c'était aussi tout à fait logique dans mon idée de transposer que Atahualpa cherche à fonder des dynasties qui soient des dynasties incao-européennes, et donc réépouser ce qu'on fait à la fois Cortés et Pizarro, c'est-à-dire réépouser, faire des enfants avec des princesses locales. Oui, et à propos des locales, lorsqu'il arrive au Portugal, à Lisbonne. Et d'ailleurs, moi, j'ignorais complètement, on apprend des choses au sujet des livres, qu'il avait eu un très grand tremblement de terre au début du 16e. Je connaissais celui du 18e. Mais cette espèce de sidération par l'abandon, la pauvreté. Et donc, les Incas étaient choqués par ce que les vieux étaient abandonnés, les enfants étaient abandonnés, tout ça. Et c'est tout à fait étonnant, ça. Donc, c'est pas la même vision du monde. Alors, en fait, alors là, il y a deux choses différentes. L'extraordinaire. Hasard, opportunité qui offre le fait. Moi, j'ai fait arriver Atahualpa à Lisbonne parce que c'est à Lisbonne qu'est revenu Christophe Colomb de son premier voyage, donc ça me semblait logique. Mais j'ai lu que précisément, vous savez, grâce à Wikipédia, jour par jour, on sait ce qui s'est passé partout dans le monde, année par année, quasiment jour par jour. Et donc, à un moment, je tombe sur cette coïncidence incroyable, le jour où Pizarro a mis les pieds dans ce qui est le Pérou actuel. Ce jour-là précisément, il y avait eu un énorme tremblement de terre à Lisbonne, dont on pense qu'il a été encore plus sanglant, encore plus destructeur que le fameux tremblement de terre de Lisbonne rapporté par Voltaire au XVIIIe siècle. Et donc, ce qui est clair, c'est que voilà, Cortés, Pizarro étaient des...
des aventuriers, des stratèges, des meneurs d'hommes hors pair, mais ils ont bénéficié aussi d'un maximum de réussite. Bon, là, je me suis dit, mais après tout, là, c'est pas moi qui force le hasard. C'est advenu exactement à la même époque. Moi, je voulais construire mon histoire en miroir, donc dans ma tête, Atahualpa arrivait en Europe à l'époque où Pizarro mettait les pieds au Pérou. Il se trouve qu'à Lisbonne, ce jour-là, il y avait eu un énorme tremblement de terre. Donc, c'est un coup de chance qui semble un peu fabriqué, mais historiquement qui est avéré. Le coup de chance étant d'arriver dans une ville complètement désorganisée, en panique, ravagée donc par le tsunami, l'eau, par les flammes, enfin bon, voilà, une ville en état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, la deuxième partie de votre question sur la pauvreté en Europe, là, renvoie davantage à l'histoire des paysans allemands. Les paysans allemands qui étaient en effet très pauvres et d'une pauvreté telle qu'ils se révoltaient contre les seigneurs allemands qui les exploitaient. Et il se trouve que le système économique et social inca était un système d'une originalité stupéfiante pour le XVIe siècle, puisque bien que extrêmement hiérarchisé et tout à fait autocratique, on n'était pas du tout en démocratie, mais il y avait un système économique et social qui était fondé sur des formes de redistribution des terres, répartition des produits de la terre, et sur une forme de, j'ai dit ça aux Espagnols quand on fait, enfin qui étaient un peu surpris, mais sur une forme de sécurité sociale en quelque sorte, où la communauté devait aide à, et l'Inca lui-même sur ses propres richesses devait, en cas de d'épidémie par exemple ou de famine, devait subvenir aux besoins des populations et aux populations au sein desquelles on devait assistance aux veuves, aux orphelins, aux malades, etc. etc. Pour le coup, c'est une véritable chronique, c'était marxiste avant l'heure. Ben, alors, il y a eu des tas de théories, c'est des questions que les historiens se sont posées. Est-ce que le système Inca était socialiste ou pas? Alors, socialiste, le terme est évidemment anachronique, mais d'une certaine manière, on peut voir dans le système Inca une forme de proto-socialisme. Et donc là, ce qui m'intéressait moi dans mon optique de jeu de stratégie et de jeu d'aventure, c'est que là, il ne suffit pas de dire « tiens, je voudrais m'allier à telle ou telle personne pour combattre Charles Quint ». À ce moment-là, je me dis « le système Inca peut rencontrer les revendications des paysans, leur proposer un système redistributif qui soit sans être vraiment… » c'est pas non plus la commune de Paris ou le voilà, c'est pas proprement parler un système communiste, mais un système, disons, qui permette aux paysans une assistance et une exploitation moindre, donc que en gros l'héritage du système féodal médiéval que l'Europe connaissait encore, en tout cas que l'Allemagne connaissait encore au XVIe siècle. Donc ça, c'était tout à fait passionnant. Mais justement, ce qui est passionnant dans votre roman, c'est qu'on peut aborder beaucoup de sujets très différents. Par exemple, vous parlez, c'est toujours une histoire à miroir. Et par exemple, un exemple parmi d'autres, lorsqu'ils arrivent en Europe, les Inca, ils sont stupéfaits par l'inquisition et le fait qu'on brûle les gens. Et lorsque les Espagnols vont en Amérique, ils sont stupéfaits aussi, parce qu'il avait des sacrifices humains. Donc, on est toujours les barbares de quelqu'un d'autre. Absolument. Vous faites une citation de Montaigne, je crois. On appelle barbarie tout ce qui n'est pas de notre usage. Ouais, bien sûr. Alors, en Espagne, j'ai vu certaines réactions en Espagne qui m'accusaient de perpétuer un peu de la légende noire de l'Espagne et donner un trop beau rôle aux Incas, mais mon histoire, elle est là pour le coup, la question du narrateur elle est importante, même si le narrateur n'est pas identifié dans toute cette partie qui est le cœur du texte que j'ai appelé les chroniques d'Atahualpa, le narrateur est manifestement un compagnon de route d'Atahualpa et vraisemblablement un Inca. Et donc, il voit avec ses yeux d'Inca ce qui pouvait le choquer, et donc pour les Incas en l'occurrence, brûler des gens, c'était extrêmement choquant, surtout pour l'aristocratie Inca qui pensait que le corps devait être préservé
pour que la vie post-mortem puisse continuer. C'est pour ça qu'ils faisaient des momies. Et donc vraiment, il n'y a rien qui pouvait le plus les... C'est pour ça que Atahualpa, le véritable Atahualpa, a accepté de se convertir avant son exécution, parce que sinon, on l'aurait brûlé vif. Et donc lui, il voulait que son enveloppe, enfin, qu'il puisse être, son corps puisse être momifié pour continuer à vivre dans le monde des morts. Donc voilà, donc les Incas sont horrifiés par ces rites qui consistent à brûler vif des gens, ce qui n'empêche pas que... Alors, c'est surtout... Donc, certains Espagnols m'ont dit, mais les Incas aussi pratiquaient les sacrifices humains. Il semblerait que ce soit vrai, on a découvert quelques charniers, dont certains charniers d'enfants. Mais apparemment, c'était de façon moins systématique que les Aztèques ou que les Mayans. Bon, voilà, c'était pour des circonstances exceptionnelles, si je puis dire. Mais enfin, il ne s'agit pas du tout de faire passer les Incas pour des gentils hippies, ce qui n'était pas du tout. Les Incas étaient des conquérants, au même titre que les Espagnols. Et il n'y avait aucune raison pour que Atahualpa se comporte autrement que comme un conquérant. Mais Cortés n'a pas aidé les minorités, ce qu'on appellerait les minorités opprimées dans l'Empire aztèque, par humanisme, mais par tactique. Et donc il n'y avait pas de raison que Atahualpa n'en fasse pas de même. Mais donc parfois, vous devez être bien au courant qu'il a parfois une vision un peu romantique des Indiens précolombiens. Et j'ai l'impression que vous montrez qu'ils sont les mêmes contradictions que le reste de l'humanité. Oui, il n'y a pas de raison, si vous voulez, mais disons, si j'avais voulu vraiment présenter les Incas comme des figures uniquement positives, bon, je ne cache pas que j'ai de la sympathie pour Atahualpa, et j'ai vraiment de l'intérêt, je suis fasciné par ce système Inca, je trouve ça stupéfiant, cette avant-gardiste dans le système économique et social dont je vous parlais. Mais j'ai une vision, je crois, tout à fait lucide de ce peuple qui lui aussi savait pratiquer des sacrifices quand il fallait, n'était pas du tout démocratique, était extrêmement pyramidal. Alors en France, on parlait d'eurocentrisme pour mon livre, notamment avec cet argument que je trouvais invraisemblable, qui était que finalement les Incas se comportaient comme des conquérants, comme les Européens, partant du présupposé que l'instinct de la conquête était un instinct uniquement européen. Mais Gengis Khan, les Aztèques, les Incas, enfin je veux dire, les conquêtes n'ont jamais été l'apanage de l'Europe. Il y a certaines circonstances historiques qui ont fait que l'Europe a pris le dessus sur l'Amérique et sur l'Afrique, mais d'ailleurs pas sur l'Asie. C'est-à-dire les Incas, les Aztèques étaient des empires extrêmement impérialistes, extrêmement conquérants. Donc avoir cette pulsion de conquête, pour moi, n'est pas du tout quelque chose qui est un apanage d'Européens. Oui, et d'ailleurs c'est étonnant parce que vous parlez des conquêtes, on peut se poser, demander la question pourquoi c'est les Européens qui ont découvert l'Amérique. Tout est en question de technique, de technologie, au découvrement. Ouais, j'adore, parmi les explications qu'on donne, à la question de savoir pourquoi les Européens ont envahi l'Amérique et pas les Chinois ou les Japonais, les Asiatiques, Serge Ruzinski apporte une réponse que je crois vrai, enfin ça doit être un des éléments de réponse parmi d'autres, mais que je trouve formidable, c'est parce que les courants marins dans le Pacifique ne sont pas très favorables à un voyage ouest-est. Et donc en fait l'Amérique était beaucoup plus difficilement accessible par l'Asie que par l'Europe. Je trouve que c'est une explication, alors ensuite peut-être elle sera... Je trouve que c'est une explication très, qui me séduit, parce que ça remet vraiment en cause l'idée qu'il y aurait une essence des peuples, si vous voulez, qu'il y aurait un génie des peuples, que les Européens auraient eu le génie de la conquête et pas les autres. Bon, c'est-à-dire spontanément, c'est même pas que j'y adhère pas pour des raisons idéologiques, c'est juste que j'y crois pas, que je trouve pas ça convaincant. Je trouve ça beaucoup plus convaincant, cette histoire de courant marin, par exemple. Oui, et d'ailleurs, ça fait
Les livres ont une dimension tout à fait importante, c'est la notion du voyage. Et la littérature a aussi cette dimension-là. On peut voyager en ouvrant un livre. Dans un fauteuil, oui. Dans un fauteuil, voilà. Un peu immobile, mais quand même. Ben, c'est vrai que, disons qu'en tout cas, celui-ci, Civilisation, vous fait voyager. Autant un livre comme HHHH a été quand même très circonscrit dans le temps et l'espace. C'est-à-dire, même si d'ailleurs, à certains chapitres, je remontais au Moyen-Âge pour expliquer pourquoi il y avait des Allemands en Bohème. Mais disons, globalement, HHHH était centré sur les 12 ans de la période du Troisième Reich et centré sur Prague, même si parfois on était en Allemagne, parfois en Angleterre. Voilà, c'était vraiment quand même le Prague en 1942. Là, c'est vrai que bon, ça commence chez les Vikings, enfin, ça commence chez des Vikings qui, au Canada, qui arrivent du Groenland, ça se poursuit à Cuba avec Christophe Colomb, et puis ensuite on voyage à travers toute l'Europe. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découpé, que j'ai composé mon livre. Il y a 4 parties dans votre livre, grosso modo. Il y a 4 parties, et donc en Europe, on passe de l'Espagne à l'Allemagne, puis à la France, où il y a même un passage en Afrique du Nord, et puis voilà, pour revenir, pour boucler la boucle à la fin, puisque la dernière partie, cette espèce d'épilogue, qui devait être un épilogue, mais qui finalement a quand même beaucoup de... Qui se passe quelques années après quand même... Voilà, qui est articulé autour de la bataille de Lépante en 1571, donc c'est 25 ans à peu près avant la fin de mon récit sur Atahualpa. L'idée était de boucler la boucle, où là donc on voyage dans une Europe qui est indianisée ou incaïsée, une Europe donc dans laquelle dominée par les Aztèques et les Incas, et à la fin de laquelle voilà, on boucle la boucle puisque ça se termine à Cuba, où mon personnage de Cervantes met le pied. Et pourquoi Cervantes? Mais pourquoi? C'est pas la bonne question. Comment est-ce qu'est venue cette idée de se faire rencontrer Montaigne et Cervantes? Sa présence s'est imposée parce qu'à partir du moment où je voulais prendre comme base la bataille de Lépante en 1571, pour imaginer la bataille de Lépante, on l'appelait la bataille des Trois Empires, je crois. Et là, j'ai imaginé, je l'ai renommée la bataille des Quatre Empires. Ça me plaisait d'imaginer les chrétiens alliés aux musulmans contre les Incas et les Aztèques. Or, il se trouve que dans cette bataille, le participant le plus célèbre, c'est Cervantes. C'est là qu'il perd l'usage de sa main gauche, je crois. C'est ce qui lui vaudra donc son surnom de Manchot de Lépante. Donc, voilà, je me suis dit, on va faire un renversement dans le renversement. Ma dernière partie, ce ne sera pas l'Europe vue à travers les yeux des Incas, mais ce sera l'Europe incaïsée, indianisée, vue à travers les yeux d'un Européen qui sera Cervantes. Et donc, comme je voulais conduire lentement mais sûrement Cervantes en Amérique, je me suis dit que de toute façon, il fallait bien qu'il parte de quelque part en Europe et que donc ça pouvait être Cadix, ça pouvait être Lisbonne, ça pouvait être Bordeaux, ça pouvait être Nantes. Enfin, il n'y avait pas tellement de choix en fait de grandes villes sur la côte est, la côte ouest, la façade atlantique. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas Bordeaux? Là, on est dans les années 1575. Qui est-ce qu'il y a à Bordeaux en 1575? Il y a Montaigne. Et donc, je me suis dit que, là, c'est du plaisir pur. Je me suis dit, ça colle. Si Cervantes passe par Bordeaux, j'aimerais lui faire rencontrer Montaigne. Il faut que tout colle, en fait. Oui, absolument. Il faut, oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup de certaines critiques très élogieuses qui disaient c'est complètement fantaisiste, c'est complètement délirant et c'est super. Mais oui et non, si vous voulez. C'est-à-dire que je voulais pas qu'il y ait soudain Gengis Khan qui surgisse. Je voulais que ça colle, en effet. Et que les modifications que j'ai introduites découlent du point de bascule original. C'est-à-dire je change... Je change le destin de Christophe Colomb et à partir de là, je tire le fil. Une fois que j'ai bien mis en place les conditions d'une nouvelle histoire, par exemple, il y a des personnages que j'aurais aimé utiliser mais que je ne pouvais pas parce qu'ils étaient morts trop tôt, comme Léonard de Vinci par exemple ou César Borgia.
Bon, ben non, eux, ça ne collait pas, donc je me suis interdit de les utiliser. Parfois, je me disais, ah bah tiens, là, ça colle, quelque chose que je n'avais pas anticipé. Par exemple, le personnage du Greco aussi, qui devient le compagnon de route de Cervantes, le peintre, le Greco. Mon attention a été attirée parce que il a fait beaucoup de très beaux tableaux à Tolède. Tolède, c'est une étape importante dans mon livre. Et puis j'ai vu qu'il avait été au service du nonce du pape en Italie, enfin qu'il avait eu un parcours qui me semblait intéressant dans mon économie narrative. Donc je l'ai réquisitionné en quelque sorte et sans que ce soit prémédité, c'est devenu un personnage important aussi, puisque en fait c'est lui qui argumente avec Montaigne pendant que Cervantes les écoute et puis regarde par la fenêtre. Est-ce que chez vous, lorsque vous avez eu l'idée, vous avez commencé à écrire le roman, est-ce que d'une manière inconsciente, est-ce qu'il a eu une idée de déboulonner quelques figures historiques? Non, alors bon, enfin c'est aujourd'hui un peu à la mode, hein, déboulonner des statues. En fait, c'est déjà la question qu'on m'avait posée pour la septième fonction du langage. Est-ce que vous vouliez déboulonner les philosophes de la French Theory, les Barthes, Deleuze, Derrida, etc.? Et la réponse était non. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour eux. Simplement, le respect n'implique pas que je considère leur personne comme sacrée. Je crois que l'une des vocations du roman, c'est un travail de désacralisation, si vous voulez. Enfin, le roman, c'est l'art profane par excellence. C'est le contraire d'un texte religieux. Donc, tout en respectant infiniment ces grandes figures intellectuelles et historiques qui étaient, donc, voilà, cette fonction du langage, les philosophes de la French Theory, je m'interdisais pas parfois de me moquer d'eux et de les mettre dans des situations comiques éventuellement. Pour ce qui est de civilisation, non, de toute façon, c'est une leçon de Kundera. Je relisais là, les Testaments trahis ces jours-ci. Kundera dit que vous ne pouvez pas faire un bon roman si vous détestez vos personnages. Et donc, moi, globalement, je déteste aucun de mes personnages. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup, par exemple, d'affection et de respect pour Charles Quint, bon, qui il arrive ce qu'il arrive dans mon livre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'intérêt pour ces figures-là. Et même Luther. Alors, Luther, j'avoue que je me suis forgé un peu une image de Luther. J'avais aucun a priori sur Luther. Donc, je me suis forgé une image de Luther en lisant ce qu'en dit Stefan Zweig dans son livre sur Erasme, où il oppose justement, lui, très clairement, Erasme, la figure de l'humaniste, face à celle Erasme, on le trouve dans les romans, si vous voulez. À celle de Luther, qui est, lui, l'incarnation du fanatisme. Bon. cette vision de Luther, je l'ai intégrée. Et donc, voilà, a priori, j'ai pas de sympathie pour Luther. Mais quand même, c'est pas pour ça qu'il lui arrive ce qui lui arrive dans mon livre. C'est-à-dire que c'est toujours l'intérêt, c'est toujours, je suis toujours guidé par l'intérêt du récit. C'est-à-dire que si à ce moment-là du récit, l'économie narrative du récit implique que ce personnage doit mourir, alors que je l'aime ou que je ne l'aime pas, je le tuerai. Sans scrupule, sans hésitation, mais sans haine non plus. Voilà, non, j'ai... Et comme je vous dis, là, depuis le début, moi, je suis fasciné par les personnages de Cortés et Pizarro, surtout Cortés. Mais Pizarro, ce qu'il a fait pour capturer Atahualpa, c'est pour moi, c'était... cette scène-là, c'était... C'est la scène fondatrice du livre, en fait. C'est celle que j'ai voulu transposer. Voilà. Donc, je ne raisonne pas en termes d'affection pour mes personnages, mais en termes d'effets et de scènes. Et cette scène-là, moi, je voulais, en fait, ce livre a été écrit parce que je voulais une scène de western dans une ville en Espagne où 200 Incas seraient planqués autour d'une place, attendraient l'armée de Charles Quint et où Atahualpa et ses hommes captureraient Charles Quint au terme d'une scène. Alors, c'est l'autre partie de votre question. Vous me disiez, vous êtes très visuel. Cette scène-là, j'avais dans ma tête des images de western et j'avais dans ma tête des musiques d'Ennio Morricone au moment où le prêtre de Charles Quint s'avance et tend une Bible à Ilyena Mota, ce qui est vraiment une transposition de ce qui s'est passé avec Pizarro. Hein. Et donc là, vraiment,
là, je voyais de la poussière, je voyais le soleil à midi, je voyais j'entendais limite les coyotes qui passaient dans le fond. Et donc voilà, oui, c'est-à-dire ce qui me guide n'est jamais mon amour ou ma détestation d'un personnage. Ce qui me guide, c'est vraiment de donner à mon récit la forme que je trouve la plus belle, la plus attractive. Quoi. Et d'ailleurs, la manière dont vous parlez là, vous donnez aussi envie aux lecteurs d'Amérique latine, du Chili, d'Argentine, de Colombie, de lire ces livres en espagnol. Oui, évidemment, j'avoue que j'étais un petit peu curieux et impatient que le livre soit traduit en espagnol d'abord, et puis sorte en Amérique latine. En Espagne d'abord, mais en Amérique latine surtout, et particulièrement au Pérou, mais enfin bon, dans l'ensemble du continent latino-américain. Et donc, voilà, je suis très, très heureux que ce moment arrive, et donc très heureux de pouvoir répondre aux questions des lecteurs et des journalistes latino-américains. D'ailleurs, la lecture d'un roman, d'un livre en général, c'est beaucoup de points de vue différents en général. Chacun voit midi à sa porte. Mais dans vos romans aussi, il y a aussi souvent beaucoup de points de vue différents. Oui, c'est-à-dire justement aussi l'un des intérêts de ce roman, c'est de ne pas voir midi à sa porte. Mais ce qui fait l'un des intérêts du roman, c'est ce décentrement qui fait que je porte sur ma civilisation européenne un regard en quelque sorte d'anthropologue, parce que le regard porté est celui d'un étranger. En l'occurrence, celui d'un étranger, c'est un dispositif évidemment un peu artificiel, mais c'était aussi l'un des exercices qu'impliquait mon roman, c'était regarder mon environnement socioculturel avec des yeux étrangers pour me libérer des préjugés, des présupposés, et des évidences, si vous voulez. C'est-à-dire imaginer. C'est un exercice qu'on peut faire, à mon avis, qui est très salubre et qu'on peut et qu'on devrait faire plus souvent. Regarder ce qui nous est familier en se disant, mais imaginons que je le regarde pour la première fois. Et ça, évidemment, ça marche très bien avec la religion. C'est-à-dire notre environnement culturel, notre histoire culturelle, les églises, le Christ cloué sur sa croix, etc., etc., ça nous est très familier et on voit ça, même si on n'est pas croyant, on voit ça comme un environnement culturel familier. Mais alors qu'en fait, c'est très amusant comme exercice de se dire, mais on arrive, on ne connaît pas, on ne sait pas où on met les pieds, on voit ce grand maigrichon là partout qui n'a pas l'air d'aller bien, qui est cloué sur une croix, et on nous explique que c'est vraiment le dieu principal de toute l'ère géographique et de tous les peuples là d'Europe où on a mis les pieds. Je trouve ça à la fois amusant et à la fois stimulant. C'était une des deux passions, l'autre passion c'était l'or. Ouais, voilà. Oui, absolument, c'est vrai. Alors ça aussi c'était... Alors voilà, là on revient à cette histoire d'opportunité, c'est-à-dire d'opportunité. Les Péruviens, ils arrivent, donc les Péruviens ne connaissaient pas la monnaie, n'utilisaient pas de monnaie, et l'or n'avait pas de valeur d'échange. C'était juste pour faire des bijoux, donc c'était une matière noble, mais n'avait pas la valeur que lui accordaient les Européens. Et donc, un autre coup de chance qu'aurait été celui d'Atahualpa, celui des Incas, c'est que l'or et l'argent sont des matériaux, des matières premières absolument déterminantes, sont des armes de guerre en fait, capitales, et le Pérou en a plein. Donc là, c'était évidemment une opportunité à ne pas manquer pour Atahualpa. Et une dernière question, est-ce que ce n'est pas vous, ce n'est pas une phrase de vous, c'est un très grand historien français, Patrick Boucheron, qui a écrit, il l'a dit aussi plusieurs fois, que peut-être d'autres mondialisations étaient possibles. Oui, bien sûr.
J'ai failli utiliser cette phrase comme phrase d'exergue pour mon livre. Ouais, bien sûr. Et je crois qu'en plus, il développe cette phrase. Il pense précisément à la conquête de l'Amérique et à la possibilité d'une inversion. Ouais, bien sûr. C'était mon hypothèse de départ. Et j'étais pas sûr de la réponse en commençant mon livre, mais à la fin, j'en suis maintenant convaincu. Ouais, toute mondialisation était possible. Mais aussi, il y a énormément de sujets qui ont été traités. On peut regarder par rapport à l'actualité la question de la colonisation, la question du fanatisme religieux. C'est des choses qui sont tout à fait actuelles aussi. Donc, et c'est des choses qu'on voit dans votre roman. Oui, ben ça, la question du fanatisme religieux, c'est... Alors bon, moi j'avoue que je suis complètement stupéfait que ce soit encore une question actuelle. Mais bon, voilà, c'est-à-dire, il y a un proverbe qui dit « l'histoire ne repasse pas les plats », mais en fait c'est faux. C'est-à-dire, l'histoire repasse les plats sous des modalités différentes, mais il y a quand même des cycles. Et moi je croyais que le cycle de la religion était terminé. On voit bien que c'est pas le cas. Voilà, cette résurgence de l'amour. Depuis que je suis tout petit, on me cite une phrase de Malraux qui disait le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Spirituel. Sera spirituel ou ne sera pas. Mais de toute façon, donc la religion, la citation en général est tronquée. Et en fait, on n'est même pas sûr que Malraux l'ait vraiment prononcé. Mais enfin, en tout cas, qui tourne autour de cette idée. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Maintenant je vois, quoi. Je suis stupéfait par le retour du religieux et puis par cette explosion de fanatisme religieux qu'on est en train de vivre, là, spécialement en plus ces jours-ci en France. Enfin, ces jours-ci, ça fait un moment que ça a commencé. Hein. Je trouve ça tout à fait stupéfiant. Mais bon, alors pour le coup, c'est sûr que ça aussi, c'est un écho. Évidemment que tous les passages sur l'Inquisition dans mon livre résonnent particulièrement aujourd'hui, enfin pendant cette, enfin, au XXIe siècle. C'est ahurissant, mais c'est un fait. Il y a un écho. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'important, de fondamental dans votre livre. On peut se détendre beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Et c'est aussi, et pour se détendre parfois, vous utilisez beaucoup l'humour. Et l'humour, c'est une façon de prendre de la distance. Je crois que c'est aussi, donc c'est une manière de prendre de la distance, mais c'est aussi, je pense, une forme de combat, si vous voulez, pour reparler de Kundera. Dans les Testaments trahis, Kundera a un chapitre qui l'intitule « Le jour où Panurge ne fera plus rire ». On voit bien aussi que l'humour, c'est aussi une façon de résister, de désamorcer le fanatisme, si vous voulez. Mais alors, on voit bien aujourd'hui, alors bon, ouais, a priori, je ne suis pas concerné avec mes histoires d'Inca, mais on voit bien que ce n'est pas sans danger. Ce n'est pas sans danger, mais il y a quelque chose qu'on a compris depuis tout à l'heure. Ça ferait un très bon film, votre livre. Ouais, écoutez, j'espère. En tout cas, j'ai signé avec des producteurs franco-américains pour une adaptation en série télévisée. Donc, on attend. Donc là, le projet est en développement. Et je serai associé au scénario. Donc, je vais continuer à rester immergé dans le 16e siècle et chez les Incas. On imagine bien le casting déjà, non, un peu. Ouais, l'hypothèse de départ qui m'a fait aussi signer chez ces producteurs, c'est qu'ils veulent tout en langue originale. Donc les Espagnols vont parler espagnol, les Français parleront français, mais ça veut dire aussi que les Incas parleront quechua. A priori, il y aura peu d'acteurs américains et il y aura probablement des nouveaux visages. Avis aux amateurs, donc si vous cherchez les rôles de votre vie, peut-être ça va être une civilisation. Je tenais simplement à vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Muchas gracias. Et on se verra peut-être un jour au Chili, à Santiago, ou à Paris, et ou ailleurs. Donc merci beaucoup. Hasta pronto. Para terminar, quisiera agradecerles y los invito a seguir disfrutando y reflexionando con las actividades de Puerto Ideas de Valparaíso. Este año todas las entrevistas
son muy apasionantes. Muchas gracias.